c'est la galère. Grave. En plus, ma mère, elle arrête pas de me saouler pour que je trouve un taf. Ah ouais. Je te jure. Va chercher le travail. Ah bonjour, tata. Non, il est pas là. Il est... Dis-lui que je suis parti postuler. Il est parti postuler. Non, postuler. Où ça? Où? Dis-lui où ça s'est dit, quoi. Il est parti au Sadiq, je crois. Embrasse-le. Il t'embrasse. Pas moi, toi. Je t'embrasse. D'accord, je lui dirai. D'accord. C'est bon. C'est parti? Ouais, elle est partie. Tu crois qu'elle m'a grillé? Non. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Qu'il nous fallait un taf. Mais un taf tranquille, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Genre électricien. Ouais. Ça, c'est bien, ça. T'es sûr que je coupe le fil bleu? Ouais, vas-y, coupe. Le fil bleu? Mais ouais, je te dis, vas-y, coupe. Pourquoi t'as coupé le courant? Et bah que sur le courant que c'est pas moi qui ai coupé le courant. J'ai juste coupé le fil bleu, la fille de ma mère. Ah attends. Ah c'est moi, j'avais appuyé sur l'interrupteur. Putain. Ah laisse tomber l'électricité hein. Pff, trop dangereux. Non à la limite tu m'aurais dit plombier, bon je veux bien. Plombier? Ouais. Tournevis! Visseuse! Visseuse! C'est quoi ça? Bah une visseuse! Pas une visseuse, une visseuse! Allez, dépêche-toi! C'est bon? Ben voilà, je crois que c'est bon! J'arrive! Tiens, coupe-le vite! Tiens! Coupe! Qu'est-ce que tu fais là? Mais je coupe l'eau! Hey, tu sais quoi? En fait, même plombier, franchement, laisse tomber. Je suis le mec. Ouais, ça va quoi? Ça va quoi, poteau? Ouais, tranquille, ça va quoi, tranquille, ouais. Quoi là? Ça galère? Ah ouais, grave. Toujours, hein? Une galère. C'est mère. Oh, mécanicien! Ça, c'est un bon métier! Ouais. Je suis en culasse, c'est bon. Ton paro, c'est bon. Amortisseur, nickel. Bah ça va être bon hein. Mais j'avais juste déraillé moi. Merci. Laisse tomber en vrai mécanicien. C'est trop salissant. Non il nous faut un truc tranquille, un truc dans l'administration. J'en juge. Comme ça tu me sors des galères. Ouais. Bonjour. Bonjour. Coupable. T'avais dit que tu me sortais des galères? Coupable! Ah Fatima, viens faire des photos avec moi! Je m'en fous, j'ai mon avocat! Coupable! Donc ouais, tu veux aller voir quoi ce soir, chérie? Tu sais quoi, je vais le dire à ta mère que t'as pas de taf! Coupable! En plein dans le mille! Et bah tu sais quoi, va te faire en... Coupable! Mais vous avez un très bon avocat! Dieu! Comment ça se fait pas? Moi je serais juste, je t'aurais sorti des galères! Hein. Ah ouais? Bah ouais! Je vais aller en prison! Innocent! Oh Sofitel! C'était pas DSK, c'était moi! Innocent! C'est pas Omar qui l'a tué, c'est moi! Innocent! Ah Fatima, il manque du sucre! J'ai volé le roche du marchand! Innocent! Et but! J'ai financé la carrière de Zifou! Ah non, là je peux pas. Coupable! Ah, tu vois, toi aussi tu m'auras envoyé au placard! Hein. Vas-y, laisse tomber, de toute façon, comme elles disent les beurrettes sur Facebook. Bah ouais, il y a Dieu qui peut me juger! Excusez-moi, je peux monter sur le toboggan? Eh, hey, tu vois pas que c'est pris, vas-y casse-toi de là, là. Vas-y casse-toi, je vais t'enculer. Casse-toi. Casse-toi, je te dis. Je sais. Babysitter, ça on en est capable. Ouais. Ouais, ça c'est bien ça. Et pourquoi il pleure là? Mais je sais pas moi, tu lui as tout fait. Mais ouais, je vais changer sa couche, je lui ai donné le biberon. Ah. Peut-être qu'il en veut un autre. N'importe quoi. Bah je sais pas, je lui ai brossé les dents, je lui ai tout fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Putain. Raconte-lui une histoire. Bon, c'est l'histoire d'un chinois qui marchait dans la rue. Et il avait un M dans la main. Et d'un coup, Beyoncé elle est arrivée. Et elle a commencé à lui dire c'est mon M, c'est mon M. Putain, ça marche pas. Attends, j'ai une idée, je vais imiter sa mère. Are, gouzi gouza, gouza. Are. Are, ouais, je fais pas le jama. Are, are. Vas-y, s'il te plaît, are. Ah, Wolterlam. T'as dit que t'allais imiter.
c'est sa mère, pas ta mère. Va manger ta chambre, Wouldarab. Arrête, c'est bon, c'est bon. Il parle plus, il pleure plus, plus rien. Ah, Wouldarab, pleure. Ouais, non. Oublie, trop de responsabilités. Non, le meilleur, c'est qu'on fasse le métier de nos grands-pères. Nos grands-pères? Ouais. Ah, Mahmoud, souris, souris. Au revoir. Yo. Bonjour madame, nous sommes ici afin de vous proposer notre nouveau conceptage. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que le nouveau conceptage? Ah mais qu'est-ce que c'est le nouveau conceptage? Le nouveau conceptage, c'est le tapis multifonction. Qui a pour première fonction le tapis à souris. On sait jamais si vous avez des souris à la maison. Le deuxième fonction du tapis est le tapis volant. On sait jamais, la voiture elle est en panne, tapis volant. Ah là 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 là. Et de plus, ce tapis peut très, très bien être placé dans votre salle ou dans votre cuisine ou même dans votre toilette. On sait jamais si tapis c'est partout. Ah, le tapis gire. De plus, si vous voulez faire un cadeau, je sais pas moi, un Bernard ou bien... Ça tombe très bien si vous avez un ami qui s'appelle Bernard. Bernard tapis. Oui, c'est bien, c'est bien. De plus, ce prix est très très attractif. 10 euros seulement. J'ai pas de thune, man. Et 450 euros de frais du port. Ouvre la porte, monsieur, je vais taper. Ah, il doit être musulman. Il mange pas du porc. Mais, Mahmoud, c'est les frais du porc, c'est pas le porc. Ah, ah monsieur, hein, ah, t'acceptes les frais d'agneau ou pas? Les frais du mouton? Allez, laisse tapis, laisse tapis. Bonjour, messieurs, on vient dans les quartiers pour proposer aux jeunes du travail. Vas-y, vas-y, on a pas besoin de taf, là. Pars-toi de là, là. Je te dis, c'est niqué pour nous, la France. Y a pas de taf. Mahmoud, merde, attendez, attendez. Non, elle est pas revenue, tata! Non, elle est pas revenue, tata! Non, faut pas dire ça! Oh, t'as raison!